Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de la revue fiduciaire. Au programme de ce mardi 18 octobre, questions-réponses sur la prime de partage de la valeur, prélèvement à la source des salariés employés d'une société étrangère et interdiction de la publicité lumineuse. C'est parti la loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 a mis en place une prime de partage de la valeur. cette prime, conçue comme un dispositif pérenne, a pris le relais de l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite pepa. en appui de la loi, la direction de la sécurité sociale a diffusé le 10 octobre dernier via le bulletin officiel de la sécurité sociale une instruction dédiée à la prime de partage de la valeur, qui se présente sous la forme de 55 questions-réponses qui traitent des conditions d'exonération de la prime, du champ d'application et d'éligibilité à l'exonération au titre de la prime, de la détermination du montant de la prime, du plafond de 6000 euros et des conditions liées à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement ou de participation volontaire, de la conclusion des accords pour l'attribution de la prime, du versement et de la déclaration de la prime, des conditions d'exonération de la prime du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et enfin des Conséquences du non-respect des conditions d'attribution de la prime ouvrant droit à l'exonération. Les salaires versés au titre d'une activité salariée exercée en France donnent lieu, depuis le 1er janvier 2019, à une retenue à la source pratiquée tous les mois par l'employeur. Les employeurs établis à l'étranger de salariés résidents fiscaux français exerçant toute ou partie de leur activité professionnelle en France sont également tenus de pratiquer cette retenue à la source. De nombreuses difficultés pratiques ayant été rapportées par des entreprises employant des personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française, le projet de loi de finances pour 2023, propose de déroger à ce système de retenue à la source pour lui substituer celui de l'acompte. Ainsi, pour les salaires perçus à compter du 1er janvier 2023, un acompte serait prélevé chaque mois directement sur le compte bancaire du salarié lorsque l'employeur est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Les employeurs établis à l'étranger demeureraient toutefois soumis à une obligation déclarative annuelle vis-à-vis -vis de l'administration fiscale française sous peine de se voir infliger une amende. Dans son volet consacré à la souveraineté énergétique, la loi dite pouvoir d'achat du 16 août dernier prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'énergie en cas de menace pour la sécurité de cet approvisionnement, d'interdire toute publicité lumineuse. En attendant l'éventuelle mise en œuvre de cette nouvelle faculté, un récent décret harmonise les règles d'extinction des publicités lumineuses, dorénavant. Les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit entre 1h et 6h du matin, quelle que soit la commune. Applicable à partir du 7 octobre 2022, cette obligation d'extinction nocturne n'entrera cependant en vigueur que le 1er juin 2023 pour les publicités supportées par le mobilier urbain. Sont par ailleurs exemptées d'extinction les publicités installées dans les aéroports et celles supportées par par le mobilier urbain affecté aux services de transport durant leurs heures de fonctionnement sont ainsi visés les gares, stations de métro ou de bus. La sanction du non-respect des règles d'extinction des publicités et enseignes lumineuses est renforcée. Il sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. À demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.